Coucou à tous. Je vous retrouve pour la deuxième partie du Hall Nose. J'ai trouvé pour commencer un Curlys Gold, donc à 19,99 €. Donc c'est ce lisseur-là. Je vais vous montrer, ça se présente comme ceci dans la boîte. Et il se présente comme ceci en fait. Pour faire et les plats qui sont un peu effet miroir. Voilà. C'est orangé. Voilà. Pour 19,99 ça vaut le coup. Ensuite, j'ai trouvé les Gremlins. Donc, c'est Gremlins normal et le Gremlins 2. Et dedans, il y avait le pop, le Funko Pop de Gizmo. Donc, comme ceci. Et j'ai payé ce coffret 15,99 €. Donc, je suis contente d'avoir ce pop-là parce que je l'adore. Ce personnage dans le film, je l'adore. Ensuite, j'ai une tasse mini que j'ai payée 1,50 €. J'ai trouvé du masking tape, on va dire, du ruban tissu comme ceci, à 99 centimes. J'ai trouvé des porte-clés à 30 centimes. Comme ceci de la tour Eiffel. Encore une toute petite tour Eiffel. Ensuite de Caramans, j'ai trouvé une brume eau de source pour 75 centimes. Des briquets pour 99 centimes. Un classeur mini pour 1,20 €. Ensuite, j'avais repris le papier à lettres que j'en avais vu. Donc, c'était à, je crois, 89 centimes. Encore une carte. Hop, celui-là, il a pris un coup. De Biolan. J'ai trouvé un soin intime apaisant et hydrate comme ceci pour 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé pour 30 centimes un petit porte-clés souris. Donc comme ceci. Tout choupinou. Ensuite, pour 1,50 €, j'ai trouvé une culotte comme ceci, donc léopard. J'ai trouvé des stickers comme ceci, je crois que c'était 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un string comme ceci à 1,50 €. Ensuite, j'ai trouvé deux ensembles, donc culottes et soutien-gorge pour 99 centimes. Donc, j'ai pris un léopard violet. Voilà. Pour le bruit. Ensuite, j'ai trouvé en rose pour 3,99 €. Et j'ai pris en couleur léopard. Donc, voilà.
Ensuite, j'ai trouvé des bonbons perles Pierrot à 79 centimes. Voilà pour ce sac-là. Donc, je vais vous montrer l'événement. Donc, j'ai le pull que je porte ici, donc comme ceci. Donc, Madeleine, c'est partout. Et j'ai payé 9,99 €. Ensuite, j'ai trouvé une casquette Kenji pour 2,99 €. Hop. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé une brassière pour le sport, comme ceci. 3,99 €. Ensuite, hop, j'ai trouvé une casquette pour 7,99 €, donc Ferrari. Donc, je vais vous la porter quand même. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un soutien-gorge bandeau comme ceci. Ah. 1,50 €. J'ai trouvé un pull Watibé comme ceci. Hop, à 9,99 €. Un pull comme ceci, donc avec les fleurs et le numéro 75 pour 9,99 €. J'ai trouvé un pantalon kappa, donc en taille S. Donc je crois que c'est écrit sur la jambe, donc il est marqué kappa. Donc j'ai payé 9,99 €, donc en taille S. Ensuite, j'ai trouvé des chaussures. Donc là, c'est les filles, donc je les ai déjà portées. Donc c'est des chaussures comme ceci. Hop. Que j'ai payé 12,99 €. J'ai trouvé des chaussures Lacoste pour 14,99 €. Des petites chaussures comme ceci, donc super jolie et pour le prix, voilà. Ensuite, on va continuer. Il me reste quelques petites choses. Donc, j'ai trouvé une tasse Vaiana pour 1,50 €. J'ai trouvé un DVD Comment tuer son boss. 1,99 €. J'ai repris un cadre mémo comme ceci pour 1,99 €. Ensuite, j'ai vu ça dans la vidéo de Emily, donc ma chérie. Donc des petits trucs comme ceci, cupcake. Donc à 60 centimes. Voilà. J'avais aussi trouvé ces chaussures-là, qui étaient à 7,99 €, donc de la marque Kelly, donc en 37. Des petits talons comme ceci. Ensuite, j'avais trouvé une petite pochette cadeau, comme ceci, à 79 centimes. J'ai trouvé des culottes Little Marcel, donc une rouge et une avec des petits pois pour 7,99 €. J'ai pris les mêmes comme ceci. Hop. Pour 99 centimes, j'ai trouvé une culotte avec des petits cœurs. Quand on a l'air un gnagnan, c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé des chaussettes pour 1,99 €, comme ceci, donc des rayés, hein, des basiques, des soquettes.
Ensuite, pour 30 centimes, j'ai trouvé une petite boîte avec la tour Eiffel. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un set léopard pour 75 centimes. Des sockets à 50 centimes avec des petits citrons. Un pot et crayon avec comment elle s'appelle, un Misty Gris, donc pour 1,50€. Donc j'ai repris une paire avec les citrons à 1,50€. Ensuite j'ai trouvé une casquette Watibé rose à 2,99€, comme ceci hein. Voilà. Ensuite, ça, hop. J'ai trouvé un brûleur, un petit brûleur avec un papillon pour 99 centimes. J'ai trouvé un pantalon pour 4,99€. Je vais essayer de montrer le prix. Voilà, donc il se présente comme ceci. Un bébé. Donc il est comme ceci. Donc je l'ai pris en 38, je crois que c'est ça. Oui, en 38. Donc il est comme ceci. Sur les jambes, il est un peu déchiré de partout. Et en bas, c'est un slim. Pareil de l'autre côté. Et derrière, il se présente comme ceci. Avec des déchirures dans les poches. Donc voilà. Ensuite, pour 2,99€, j'ai trouvé un leggings en taille S avec en bas les fermetures. Donc c'est un peu matière et comment on appelle ça? Polyamide. Voilà, au sale. Ensuite, j'ai trouvé un collant comme ceci à 1,99€. Et le dessin, c'est ceci qu'il y a sur la jambe. Comme un tatouage, il est super beau. Ensuite, j'ai pris des craies à 30 centimes. J'ai trouvé un slim jegging. Donc en 2,99€. Donc il se présente comme ceci. Hop. Arrive en bas, c'est slim. Il n'y a pas de poche devant. Et derrière, il y a deux poches. Voilà. Et pour terminer, j'ai trouvé un cahier Misty Gris à 1,50€. J'ai trouvé pour 50 centimes des planches avec hop, des dauphins. Ça va, je viens de ma collection. Hop. Celui-là avec le prénom de ma tante. Celui-là. Celui-là et celui-là. Donc voilà pour mon haul Nose. Je vous ai tout montré. Donc j'ai fait en deux parties. Donc vous aurez peut-être la première partie d'abord. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.